Les cultivateurs de la chefferie de Bachou qui se rendent dans les Grabens se disent être en insécurité au vu de la situation qui prévaut actuellement dans ces coins. Ils dénoncent aussi les tracasseries militaires. Ces cultivateurs sont obligés de laisser une certaine quantité de leurs récoltes aux militaires FARDC engagés dans les opérations dans la vallée de Mwalika, en territoire de Beni. Ces deux femmes le témoignent. Nous sommes dans la zone sécurisée, mais on ne fait pas bien les travaux à cause de la sécurité. Mais nous voulons qu'on amène les soldats au moins dans le village de Boulambo, pas au chat. Lorsque nous faisons nos travaux, en tout cas, nous ne sommes pas tranquilles. Lorsque nous allons au chat, on ne vous dérange pas, on ne nous dérange pas. Lors des sorties, c'est maintenant que on fait les tracasseries comme au V. Lorsque les soldats arrivent jusqu'ici, ils commandent. Et surtout, ils exploitent nos enfants sexuellement sans notre vouloir. Alors nous demandons si c'est quel type de travail. Cette situation était exposée au numéro 1 des opérations Sokola Grand Nord à son passage à Butungera lors de sa rencontre avec les habitants de la place. Le général-major Peter Chirimwami avait promis de rappeler ses troupes à l'ordre. Dans une interview, le porte-parole des opérations Sokola Grand Nord, le lieutenant Anthony Mwalushai, remercie la population qui a pris le courage de dénoncer cette situation. C'est la première fois que je découvre un peuple ici à Bachou qui parle sans peur, qui dénonce les actes. Et cela, c'est nous encourageons. Vous voyez, vous avez vu, ça a touché tout le monde et le commandant secteur n'a pas aimé certains comportements de certains militaires ou bien soldats. Et ça n'encourage pas les mariages civilo-militaires. Accéder au champ dans la vallée de Mwalika, en chefferie de Bachou, est devenu un casse-tête suite au massacre de Lissassa et la découverte de 29 corps abandonnés dans les Grabens.